Bonjour, Florian Declerc, chef pâtissier au château de l'Hospitalet à Narbonne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bûche roulée façon forêt noire que nous allons accorder avec un Rivesalt 1969 en légende vintage. Allez, c'est parti! Nous allons commencer cette recette par le biscuit viennois cacao. Donc, nous allons monter les œufs, le jaune d'œuf et le sucre semoule. Ensuite, nous allons incorporer les poudres, donc la farine et le cacao poudre. Enfin, nous allons incorporer les blancs d'œufs montés avec le sucre semoule. Nous allons étaler ce biscuit finement sur une plaque et nous l'enfournerons à 250 degrés pendant 5 minutes. Ensuite, nous allons réaliser le confit griotte. Donc le confit griotte, c'est simplement une purée de griotte que l'on va pectiner, donc c'est un mélange sucre-pectine. Nous allons porter le tout à ébullition pendant 2 minutes. Enfin, nous allons incorporer un jus de citron qui va favoriser la gélification de ce confit de griotte. Pour la crème montée vanille, nous aurons besoin de crème liquide 35%, de mascarpone, de sucre semoule, ainsi qu'une gousse de vanille. Donc là, on va passer au montage. Donc pour le montage, nous allons prendre ce biscuit viennois cacao que nous allons imbiber légèrement de sirop au kirsch. Attention de ne pas trop l'imbiber car celui-ci deviendrait trop fragile pour le manipuler. Ensuite, nous allons étaler une fine couche de confit de griotte. Nous allons étaler finement une couche de crème montée à la vanille. Nous allons disposer quelques griottes macérées au kirsch. Nous allons rouler l'ensemble. Nous allons masquer celle-ci de cette crème montée à la vanille, disposer quelques copeaux de chocolat. Le tour est joué. Voici la bûche. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir la reproduire à la maison. Je vous conseille de la déguster avec un Rivesalt Légende Vintage 1969 où on est réellement sur des notes boisées qui s'accorderont à merveille avec le cacao. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.